Salut tout le monde, c'est NeurBackJord et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de l'aventure avec Alex Hunter. Et on va commencer par un entraînement avec le LA Galaxy. Des coups de pied arrêtés encore? Ah, des coups francs lointains, d'accord, c'est une passe lobée. Ok. On va faire les entraînements comme nous le demande notre coach. J'aime bien les entraînements d'Alex Hunter. S'il y en a que deux en fait, on n'en fait pas 5 parce que 5 c'est lourd je trouve. Donc 2 c'est bien. Ah d'accord, ouais, c'est vraiment des vrais coups francs, d'accord. Hop. Voilà, nickel. Ok, d'accord, je vois ce qu'il faut faire, c'est très bien. Qui sûr va la jouer au premier poteau. Donc oui, il n'y a que deux entraînements, donc je trouve ça assez léger, ça va vite à faire, c'est pas trop lourd. J'aime bien. Allez, Dos Santos qui tente, ouais, mais il y a Van Aanholt. Il est vraiment bien placé le défenseur, en fait, c'est ça le problème. On va essayer de la mettre au deuxième, là-bas. Vers Zardes. Qui joue en passe. Oui, j'ai voulu tenter une passe, c'est passé. Une passe qui est passée, c'est bien, hein. Hop, pour Jones. Il y en a deux maintenant. On va le jouer au premier à chaque fois. De l'engagement, je veux de l'engagement. Je veux de l'engagement. Il a dit, le coach. Oui, c'est bon, on a la bonne note, parfait. Et pour le dernier, on va le mettre là, près du gardien, mais nickel. Mais fort, les gars. Oh, dommage, de Santos, un peu trop fort, mais ça passe. Nickel, le coup franc était bon. Et là, du coup, les pénaltys. Ok, en calme, on a 56, waouh. On n'est pas très calme comme joueur. Allez. Les pénalties dans FIFA, je les trouve assez compliquées. Après, c'est en manuel. Peut-être que là, ça va être différent. On va voir. Bon. De la vitesse. Je tirais plus fort que ça. Voilà. Pas assez sur la lucarne. Donc là, il faut tirer pas très fort. Ouais, j'ai du mal à toucher les trucs, hein. J'ai du mal sur les pénalties cette année, je sais pas pourquoi, je les trouve différents. Je les trouve changés, c'est plus dur de mettre en lucarne et tout. Ah, maintenant c'est un gardien, ok. Donc on a fait aucun tir dans la lucarne. Et là je les tire bien, ok. D'accord, très bien, génial. Nickel, 6000 points. On a la note de A, c'est parfait. On a tout réussi du premier coup en fait, oula. C'est grâce à ça surtout qu'on a eu la bonne note. Hop. Voilà, on a fait un bon entraînement, c'est bien. Est-ce que dans le... Par contre, on a augmenté dans aucune stat. Est-ce que voilà, on est considéré titulaire par l'entraîneur. C'est ce que je voulais savoir. On est considéré comme titulaire. Si tu veux voir un endroit sympa, regarde ça, mec. Mais ouais, je sais, mec, la maison, elle est incroyable. Il y a genre 4 salles de bain. T'as aussi des toilettes plaquées or et tout ça. Carrément. Bon alors, dis-moi, comment ça se passe en première ligue pour toi? Ça va comme tu veux? Oh, tu sais, c'est que le début. Ils essaient de me faire jouer à ton ancien poste, alors j'ai besoin d'un peu de temps pour m'y faire. Oh, m'en parle pas. C'est tellement différent ici. Ah ouais? Ton père t'a emmené voir le panneau Hollywood? Tu t'es fait injecter du Botox dans le front? J'ai pas le temps, mec. Non mais sérieusement, vieux. J'imaginais pas que les trajets seraient aussi longs en MLS. Le pays est gigantesque. Ah ouais, les trajets... Oh, lâche-moi, ouais. Mec. J'ai vu les images. C'est arrivé juste une fois, ok? Avec toutes ces célébrités. Oh. Écoute, mec, je te rappelle plus tard, d'accord? Pourquoi? Thierry Henry? Sans déconner! N'en dis pas plus. Je te rappelle, d'accord? Yo! Alex. Oh, hey, quoi de neuf, mec? How is it going? Ouais, tranquille, je me détends. Je me détends, ouais, bah, tu m'étonnes. Tu peux te détendre, mon pote. J'avoue que la MLS, ça doit être un autre monde. Hein. Ça doit être un autre monde. Ça donne vraiment envie de jouer en MLS, hein, ce truc. Mais en vrai, hein, ça va donner envie aux joueurs européens de partir à LA. Hein. C'est incroyable. Hein. Et là, on joue contre Seattle, qui est juste devant nous au classement, comme vous voyez en bas. Donc du coup, c'est une bonne opportunité de passer devant eux. Ce qu'on va très certainement faire. On joue à Seattle en plus. Ok, on joue à l'extérieur. On est titulaire. Zardes qui est mis derrière nous et Dos Santos qui passe en milieu centre. C'est bien parce qu'ils enlèvent pas Zardes du coup et ils enlèvent pas Dos Santos. C'est bien joué ça, comment ils ont fait. Très très bien. Donc du coup, objectif caché. Nous disputer un match avec une nouvelle coupe. Une nouvelle coupe de cheveux. Ok, bon, on va changer de coupe dans le prochain match juste pour ce match. Et on a un objectif caché. Ok. Bah écoutez, on est parti. On joue contre Seattle. Salut à tous, je suis en compagnie de Pierre Ménès pour vous faire vivre... Salut Pierre Ménès. Ça va Hervé, bonjour à tous. Oui, allez, bref, on s'en fiche, on est parti les gars. Ce match, on va retrouver le club américain.
Allez, Hunter. Oh, le dribble, il est passé. La fin de frappe. La frappe. Oh, cette action pour la première occasion du match. C'est la 30e minute, je crois. J'ai pas eu de véritables occasions jusque-là. Et là, regardez, le dribble. La fin de frappe. La frappe du gauche. Et boum. Pouah, c'est lourd. Bien joué, Alex Hunter. 1-0. C'est donc l'ouverture du score. Le bon ballon. Oh, c'est propre. Oh, cette action. Oh, cette action collective. Et la passe décisive pour Zardes. Oh là là, mon dieu. Oh, ce que c'est propre. Oh, j'ai bien aimé. Alessandrini, il est vraiment fort. Hein. Je vous jure que il est trop fort. Je vais faire une carrière avec Los Angeles, moi. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Non, peut-être pas Los Angeles, mais... Wow. Regardez là. Tac, tac. Et là, on l'a remis à Zardes. Et boum, 2-0. Deux occasions de but. C'est pas mal. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Ok, mi-temps. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Mi-temps là-dessus. Deux occasions, deux buts. Il y a eu moins d'occasions que dans l'épisode précédent, dans les matchs qu'il y a eu. Mais bon, 4 tirs, mais après, c'est voilà, la 10e. Et puis j'ai fait une frappe à la fin, pas très intéressante. Mais en tout cas, c'est propre. C'est très très propre. On s'amuse bien. Parce que, comme je vous ai dit, hein, le but, c'est pas d'avoir de la difficulté, c'est de s'amuser un petit peu. Et là, je m'amuse. Boum! À côté. Allez, la passe en profondeur. Oh, d'Alessandrini, elle est belle. Elle est belle. Et du coup, on peut repiquer dans l'axe. Tac. Tac. Pas terrible. La lecture de la tracheuse maintenant. Ah oui, il cherche un partir avant la profondeur. Grosse occasion pour Seattle là. Mais notre gardien fait le taf. Dans le camp adverse. Minute de temps additionnel. Allez, Hunter. Pour la dernière occasion du match, certainement. Hunter. Hunter. Hunter le centre. C'est boxé par le gardien. Et c'est terminé. Victoire 2-0. Petit match simple. Pas énormément d'occasions. J'ai pas trop, croqué. J'ai tenté des passes, tout ça. J'ai essayé de faire des dribbles, mais je connais pas trop les dribbles. Surtout que j'ai 5 étoiles de geste technique, donc il y en a peut-être des intéressants à faire. N'hésitez pas à m'en proposer, hein, en commentaire. Parce que moi, je les connais pas du tout, les gestes techniques. Je suis pas du tout dans ce style-là. Mais là, ça m'intéresse. C'est Zardes qui a été homme du match. Oh, dommage, j'aurais bien aimé être homme du match. C'est mon rival, en plus. C'est mon rival, donc si c'est lui l'homme du match, c'est problématique. En tout cas, j'ai mis un but à la 29e minute. Je suis le numéro 29. Voilà. Il est super beau, le stade de Seattle, en tout cas. Par rapport à celui de LA, il a l'air beaucoup, beaucoup plus grand. Celui d'LA, il est petit, je crois, en fait, hein, mine de rien. Notre joueur, voilà, c'est ça que je voulais voir. L'homme du match, c'est qui? Mais il n'y a pas d'homme du match. Ah, si, Zardes, 9,4. Il est sorti en cours de match. 9,4 pour Zardes. Ok, bah on n'est pas homme du match. Sniff, sniff, c'est triste. On s'en fiche totalement, en fait. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne, tout ça? Valar, on est monté à 13 millions, on a eu de l'argent, on est bientôt à 77 de gêne. Ok, ok, jusqu'à combien on va monter, hein? Parce que là, on est bientôt à la moitié, enfin, il y a 6 chapitres, on est au 3ème. Après, où on en est dans le 3ème, je sais pas trop. Ah oui, d'ailleurs, il faut faire une autre coupe, et il faut qualifier le LA en playoff, donc ça va être fait. On a des nouveaux vêtements, on va les regarder comme d'habitude. Bon, il est pas beau, on a un t-shirt manche longue, il est pas beau, on a deux nouveaux pantalons. Un Bordeaux. Comment il est? Non, j'aime bien mon pantalon bleu troué. Il est super beau, hein, je trouve. Le pantalon bleu troué. Parce que c'est pas troué où on voit les jambes. C'est troué sobre, beau. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, du coup, il faut une nouvelle coupe de cheveux. Atteindre la personnalité arrogante maximum. Oh, elle est stylée. Elle est stylée. On a quoi? On a Epi. Il n'y a que Epi qu'on peut faire. Avec toi, on va mettre celle-là. Elle est à peu près ressemblante à la nôtre. Ouais, elle ressemble beaucoup à la nôtre, donc on va mettre celle-là, puis je remettrai la mienne après quand même, hein, parce que je préfère la mienne. Et chaussures, on a encore des nouvelles chaussures. Oh, regardez, donc on a celle-là et on a celle-là. Bon, elle ressemble à celle que j'ai là, hein, donc. Rien d'intéressant, ok. Allez, on est parti pour la suite. Un entraînement. Des entraînements défensifs, ça on en a pas fait beaucoup. On n'a même pas fait du tout. Donc c'est plutôt cool. Donc ça veut dire que là on est quasiment en fin de saison avec le LA Galaxy. Donc on va voir comment ça se passe. On sait pas à quelle période on est exactement, parce que je sais que c'est en décalé en Amérique, mais je sais pas exactement de quand se déroule la saison. On verra bien, de toute façon.
Parce que peut-être qu'après on retournera en Europe à la fin de la saison, je sais pas. Je sais pas trop. Voilà, boum. En tout cas, la coupe de cheveux avec la personnalité arrogante au maximum, elle donne envie. Hein. Elle donne vraiment envie. Voilà, bonne défense. Une défense encore. Parfait. C'est bon, je suis déjà excellent en plus. Nickel. Nickel. Je l'ai quasiment tout le temps arrêté, sauf une fois. Ah, il y en a encore un, merde. Ah, je l'ai pas arrêté. Pff, la frappe de merde qu'il a fait. Allez, deuxième entraînement. Base de la défense encore, mais c'est en 1 contre 2 là. Donc du coup, on est 2. C'est plutôt cool. Des fois, il y a... Enfin non, c'est en 2 contre 1. Des fois, on est 1 contre 2 en défense. C'est dur, hein. Quand ils sont 2 et que tu dois défendre tout seul, c'est super simple pour lier. Ah, oh, Jamison, notre poteau. Notre poteau, Jamison. Et avec Ashley Cole, on est... Bon, t'es chiant, Jamison, là. Oh, Jamison, il est trop fort, le génie. Il est... Merde, je suis parti trop loin. Oh là là, Jamison. Bon, par contre, il est nul. Hein. Bon, je pense qu'il fait exprès de rater. Mais putain. Mais c'est trop dur de défendre, sérieusement. Il est trop fort, Jamison. Mais il me met dans le vent tout le temps. Heureusement que c'est pas tiré. Hein. Bon, ça change rien. Voilà, au fait que je récupère pas de points, mais... Oh là là, Jamison. Quel monstre. On n'a pas eu les points, là. Ouais, c'est bon. Et on est déjà excellent, ok. Il suffit de l'arrêter 3 fois. On peut se permettre de tacler, là. Heureusement qu'il est nul en frappe, hein, que c'est fait exprès, parce que... Je me fais bouffer, en vrai. Voilà. Hop, petite roulette, même. Tac. Et voilà, note 2A. Note 2A, mais c'est vrai qu'on est dans le club de Jamison, notre poteau. Notre poteau de Plymouth. Ok, on a fait des bons entraînements, c'est bien, on s'est amélioré en tacle, en force. L'entraînement, c'est pas des trucs qui nous intéressent, mais... Oui, on a bien bossé, comme d'habitude. Tu vas pas nous le répéter à chaque fois, bordel, en Gonzalez, là. Avec ton accent mexicain. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On a un match. Un match contre New York City. Donc, logiquement, on devrait jouer David Villa, Pirlo et tout. Enfin, je sais pas s'il joue encore, enfin, dans cette saison, parce que c'est la saison d'après, je sais pas s'il joue encore. Oh, Alessandrini qui joue de l'autre côté maintenant. Il joue plus à gauche, il joue à droite. Ok. Ok, donc du coup, on joue contre New York. New York contre LA, quoi. C'est vraiment un beau match. Allez, on est parti. Non, pas pour ça. Je m'en fiche un peu des réseaux sociaux, vous le savez. Donc du coup, disputer un match avec une nouvelle coupe de cheveux, ça va être fait. On est parti. Et qualifié pour le playoff. Ça va être fait aussi. Bonjour et bienvenue à Psychiatric de ce ballon. Allez, avec Hunter. Alors, attention. Hunter. Hunter. Et bel arrêt du gardien. Et il repousse, ça joue. C'est coéquipier parce qu'il est capable de changer le jeu et pourtant il est dans une position assez reculée. Il est beau. Bien joué, Hunter. Efficace. Hunter le sort vers Zardes. Zardes la tête. N'inquiète pas trop le gardien. Pire le. Mi-temps sur ce score de 0 à 0, peu d'occasion à se mettre sous la dent. Et du coup, bah, on n'a pas su marquer. Quoi. Vous avez vu les deux occasions qu'on a eues. Eux, ils en ont pas eu. C'est tout ce qui s'est passé. Il faut quand même essayer d'aller chercher une victoire. Hein. Sur la première période d'Alex Hunter, peut-être. Oh, ça passe. Ça passe dans le dos de la défense. La frappe croisée. Le but. Le but d'Alex Hunter avec sa célébration. Et ben enfin. Enfin, parce que quand même, je vais aller chercher une victoire. Regardez cette passe de Zardes dans le dos du défenseur. Et on va plus vite derrière. Et frappe croisée. Ça pardonne pas au gardien. 1 but à 0. Dans le couloir pour gêner cette action. Et le travail défensif d'Alex Hunter, vous avez vu jusqu'où je suis revenu pour aller suivre un défenseur. Et en plus, j'ai réussi à la récupérer. Si ça, c'est pas beau. Et regardez derrière, en plus, je remonte. Je remonte et on va contrer. On va contrer et on va aller au bout. On va aller au bout, moi je vous le dis. Et oui, avec Alessandrini. Alessandrini, qu'est-ce qu'il fait?
un centre raté. Bien joué ça. Oh, c'est propre. Avec la passe, bien joué pour Dos Santos. Le deuxième but, il est pour Dos Santos. C'est bien parce qu'en plus je marque pas tout le temps. Et Alessandrini, encore une fois, à la passe décisive. Il est monstrueux ce joueur. Il est monstrueux, Romain Alessandrini. Et Dos Santos qui vient marquer. Deux gros joueurs, 2-0. Tir à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. De temps additionnel, c'était pas beaucoup. Allez, Hunter pour le doubler peut-être. Et 2-2, à la dernière minute, on vient en inscrire un autre. Et voilà, Alex Hunter le doublé. Premier doublé en MLS. Après avoir inscrit à chaque fois un but, et lors du deuxième match, un but, une passe, cette fois-ci c'est deux buts. Grâce au travail de Dos Santos, et ben on a mis les deux derniers buts aux deux dernières minutes. 3-0 face à New York. Ça fait une belle victoire tout ça. Dommage, on n'a pas fait de passe décisive, mais bon. On a mis deux buts. Ça fait la différence quand même. Hein. Deux buts, c'est quand même bien. C'est quand même très très bien, donc c'est bien, je m'amuse bien pour les matchs de MLS, c'est plutôt cool. Le gameplay est rigolo, il est fun, il est pas trop compliqué, c'est ce qui me plaît le plus. Mais du coup, belle victoire. Par contre, le maillot de New York est beau, là, comme ça, quand on le voit comme ça. Mais je trouve qu'en match, quand on est plus haut, il rend tellement moche. C'est dingue. Et du coup, au niveau des statistiques, enfin des performances là, que nous demande le coach, on a réussi assez facilement. Il nous demande à chaque fois une note assez basse, 6,8. C'est pas trop m'en demander. Hein. Donc du coup, je suis homme du match cette fois-ci. Oui, je suis homme du match enfin. Avec 9,3, c'est une bonne note. On n'aura pas encore une note parfaite de 10. Ça viendra avec le temps, je pense. Ça viendra avec le temps. Du coup, là, on va faire encore un dernier match. Mais bon, s'il y a des cinématiques entre-temps, on verra bien. Vous êtes l'homme du match, Alex. Quelle performance de votre part. Un mot sur ce match? On progresse quand on est bien coaché, quand on a la bonne stratégie. Appliquer les consignes de l'entraîneur, ça nous facilite grandement la tâche. L'entraîneur aurait dû être élu homme du match, alors. Pourquoi pas, ouais. Merci, Alex. Je vous en prie. J'aime d'être trop chelou, sa coupe. J'aime pas trop. Je veux vite remettre ma coupe. Tac, 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 on est passé à 77, c'est cool. C'est cool, on a eu 3 points d'attribut, du coup, on va les mettre dans quoi? On a quoi qu'on peut mettre? Accélération, on est plus rapide. Force, ouais. Ne pas être hors jeu, ouais, c'est pas très intéressant ça. Passe courte, on veut être meilleur en passe. Meneur de jeu, des meilleures qualités de meneur. Passe avec effet, bon, vous savez quoi, on va prendre ces deux là. Parce qu'on en a trois quand même, les trucs coûtent cher. Et ne pas être hors jeu, non, on va pas le prendre, mais on va attendre pour les autres. Ok, allez, on va continuer. Certainement encore débloquer des trucs. C'est bon, j'ai débloqué. Je vais marquer si ça a bien été compté, le truc avec la nouvelle coupe là, que je puisse remettre l'ancienne. Voilà, ça a été fait. Et on a encore débloqué plein de trucs. À chaque match, on débloque plein de trucs. Hein. C'est quand même chiant. Hop, pantalon, le gris ici. Parce que moi, vous me connaissez, hein, je déteste avoir en fait plein de trucs comme ça. Au niveau des chaussures, j'ai mis les bleus. Il y a les noirs, les rouges et noirs, j'aime bien. On va mettre les. Vous savez quoi, on va se changer. On va mettre un suite. Allez, tiens, ensuite camouflage. Les manches longues, on a quoi? On a ça. On a pas un truc vraiment rouge. Non, il était bien celui-là. On va mettre le suite camouflage, les gars. Comme ça, on garde notre jean bleu. Oh, quoique, on peut mettre un jean noir. Noir délavé, pour suivre un peu plus. Ouais, allez, c'est bon, celui-là. Comme ça, on se change un petit peu. Mais je remettrai l'autre tenue, hein, je la kiffe. Dans la nuque, on a débloqué un diamant. Dans la couronne, j'aime bien. C'est bien, simple, efficace. Et qu'est-ce qu'on a débloqué en match? Des chaussures, comme d'habitude. Celle-ci. Et si tous les autres, on était déjà passés devant. Ok, nickel. Du coup, qu'est-ce qu'on a de prévu, là? C'est quoi le programme? Entraînement. Ok, sans ballon? J'ai cru voir sans ballon. Ah. Bonjour Hunter. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas cessé de m'impressionner. Pour être honnête, j'avais des doutes. Je vais remettre ma coupe. Tu es plutôt jeune, tu es dans un nouveau pays, on te met la pression. Ici, beaucoup de joueurs plus expérimentés ont échoué. À mon avis, ils n'étaient pas assez motivés pour réussir un MLS. Mais toi, tu es différent. En venant chez nous, tu as déjà redonné à ce club l'espoir de se qualifier pour les playoffs.
Je vous remercie, coach, mais c'est un travail d'équipe. Peut-être, mais grâce à toi, l'équipe a été transformée. J'aurais voulu être comme toi quand j'étais joueur. De quoi vous parlez ? Vous avez joué pour le Mexique en Coupe du Monde ? Oui, quand j'avais 34 ans. Ma première grande compétition. Vous savez ? Mais quand j'avais 20 ans, j'étais encore ado et... j'ai fait des choix dont je ne suis pas très fier. Ouais. Dans ce sport, les jeunes talents sont récompensés beaucoup trop vite. C'est pour ça qu'ils passent à côté de leurs rêves et quand ils arrêtent, ils perdent tout. Et il ne leur reste rien, à part des regrets. Quand on se lance dans ce genre de carrière, il faut absolument rester vigilant parce qu'un jour, on finit par se retourner et on se rend compte qu'on n'a plus rien. Ok, cinématique intéressante, pas avec le coach, qui nous dit, qui nous raconte un peu sa vie, quoi. Il nous dit de faire attention. Mais ça fait deux fois qu'on nous dit de faire attention aux soirées, ce genre de trucs. Timing, mouvement, du coup, début entraînement, donc sans ballon. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Demander le ballon et marquer des buts. Ah, d'accord. C'est tout. Faut juste demander le ballon. D'accord. Donc ça, c'est des entraînements faits exprès avec Hunter. Je pense pas qu'il y ait ça. Qu'il y ait ça, sinon. Demander la passe en profondeur. Hop, voilà. Hop, j'attends que je suis pas hors jeu. Allez, on donne tout. Ah, je l'ai raté. Hop, passe en profondeur encore. Boum. Voilà. Ah, mais il est monté trop vite là. Bah oui. Il est monté trop vite. Enfin, il a attendu trop longtemps avant de me la faire quand je lui ai demandé. Alors, elle est pas passée dans les plots, celle-là. Bon, ça a pas l'air d'être très grave. Ah, il m'en reste une. Ça passe. Et on termine par un but. Et une barre. Non. Les barres, ça nous connaît, hein. Ça nous connaît, les barres, hein. Sans ballon avancé, travailler avec votre partenaire et marquer autant de buts que possible dans différentes scènes. Non, ouais, c'est pour demander des passes, encore une fois. Demander une passe en profondeur ou demander une passe normale. Et après, nous, on tire. Voilà, je passe entre les deux. Je le vois direct. Voilà. L'appel, on l'avait vu. Ok, là, on va partir. Passe en profondeur, s'il te plaît. Par contre, elle est dégueulasse, ta passe, hein. Waouh, je te demandais une passe en profondeur, elle était ignoble. Le temps s'arrête pas là. Ah d'accord, c'est pas terminé. Je la récupère. Je peux pas jouer avec mon pote, il s'est barré. Mec, c'était barré, tu sais. L'intensité, je veux de l'intensité. Voilà, bien joué. Ah dommage, j'ai réussi à tirer mais. Ok. Non mais remets-la moi. Ah d'accord, s'il marque ça compte aussi. Ah cool. Ok, on est pas terrible hein ce qu'on fait. Merde, je voulais lui demander la passe mais il l'a donné avant que je lui demande. Pardon mon dos. Allez, allez, allez. Et boum de Santos. Ah. Wow, on a eu des points là. Oh mais oui, c'est bizarre ça, j'avais de l'avance. Derrière, derrière, voilà. Encore. Ça rentre, ça rentre. Ah! Il ne reste pas beaucoup d'essais pour y arriver là. Ah, vas-y seul, Dos Santos, vas-y seul. De l'engagement, je veux de l'engagement. Ah, il me l'a mis. Il me l'a mis ce con. Boum! Ok. Pas terrible cet entraînement, j'aime pas trop. C'était pas très très intéressant par rapport aux autres. Mais bon, on a eu les deux notes de A, c'est ce qui nous importe. Hein. On cherche juste à avoir ça, nous, à chaque fois. Les notes maximales. Ok, ok, ok. Je suis exigeant. Oui, oui, tais-toi, raconte pas ta vie. Ok, entraînement terminé, donc là on va voir le dernier match de l'épisode, peut-être. Ça serait bien. Du coup, je veux juste regarder le classement rapidement. Donc on est 4ème, donc on est bien dans les playoffs. On a 5 points d'avance sur Seattle qui n'y est pas. Et Portland qui y est. Après on a 10 points de retard, mais bon, on est plutôt bien enfermé. Il y a 33 matchs logiquement, je... non 10, 20, 30... Je sais pas, il y a combien de matchs conférence. Ah, il y a la conférence Est et conférence Ouest, oui. Comme en NBA. J'avais pas regardé de l'autre côté de l'autre conférence. Ok, 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 ok. Je sais pas combien de matchs il y a du coup. 10, 20, 30, il y en a combien? Je sais pas, est-ce qu'il y en a 40? Je sais pas trop. Je sais pas trop. On va jouer contre Toronto là. Ok. Toronto, du coup, avec contre Jovinko. On va jouer Jovinko. Et du coup, on est parti, on va incarner Hunter.
Donc du coup je vais le noter Toronto. Et on se retrouve bien entendu comme d'habitude pour les meilleurs moments du match. On attend de voir s'il y a une cinématique. Et j'ai encore oublié de changer de coupe. Oh là là, la tristesse. Y a-t-il une cinématique? Oh, il y aurait peut-être une cinématique. Bonjour avec Jovinko qui aurait pu être intéressante. Mais non, allez, on est parti. Nous allons suivre ensemble avec à mes côtés l'incontournable Pierre Ménès. Proposition. On voit une équipe qui... Ah, la passe demandée par Alexander, elle est facile. Elle est facile. Oh, l'arrêt du gardien. Bien joué. Magnifique. Attention, la passe en profondeur pour Altidor. José Altidor. Altidor et l'arrêt du gardien. Magnifique. De Santos. Bien joué, Hunter. Il a totalement évité son défenseur. La frappe croisée. Et le but. Alex Hunter. Et là, ce geste, il est beau. Il est beau. Là, j'aurais pu faire la passe à Zardes. J'avoue, j'aurais dû lui faire une petite passe décisive à mon poteau. Même si je l'aime pas trop. 1-0. Bien joué, la passe de Zardes. Et il y a de la place. Il y a de la place pour le doublé. Et 2-2. 2-0. Encore une passe de Zardes. En même temps, c'est lui qui est derrière moi, donc c'est lui qui est souvent à la dernière passe. Mais là, hop, le petit crochet, on était totalement seul. Donc là, Toronto ne peut rien faire. J'avais pas l'occasion de faire une passe. Donc j'ai été mettre un tir. Et du coup, ça me fait 5-6 buts, je crois, en championnat déjà. 2-0. Ça fait 2-0, il domine les débats. Il récupère le ballon. Mi-temps sur ce score de 2-0. On a fait la différence sur quasiment nos deux seules occasions. Donc c'est bien, et maintenant il faut essayer d'aller chercher des passes décisives ou continuer à mettre un but, mettre un petit triplé, ça serait cool. Hunter, avec Zardes, ah, c'est à côté. Hunter, la fin de frappe, et la frappe directe. Le triplé, quel but. Quel but d'Alex Hunter, regardez-moi ça. J'avais la base, je dis allez, on va la tenter là, en fin de frappe et frappe directe. Et magnifique. C'est téléguidé avec Alex Hunter, c'est très simple. 3-0. Hunter, la passe vers Zardes, elle est magnifique. Ouh, il a tenté la reprise directe alors qu'il avait tout le temps. Allez, la passe en profondeur. Vers le 17. Oh, dégueulasse ce sera. Ça ne pouvait pas fonctionner. Hunter, qui voit partir Zardes encore. Zardes, et cette fois-ci, il ne le met toujours pas, Zardes. Il est nul. C'est lui qui remporte ce duel, finalement. Allez, Hunter. Hunter, pour la dernière action de ce match. Non, ça ne passe pas. Et c'est fini. Victor 3-0, triplé d'Alex Hunter. Je lui ai dit que j'aurais bien aimé mettre un triplé. On l'a fait. On n'a pas fait beaucoup de frappes en plus, hein, je pense. On va regarder. On a fait 4 frappes, voilà. 4 frappes, 3 buts. Efficacité 100%, c'est plutôt cool. Bon match de notre part. Et on termine bien cet épisode. Clairement, on termine très très bien cet épisode. Note de 10, ça fait plaisir. Alessandrini, il a eu combien cette fois-ci? 7,5. Il a pas fait de passe décisive. Non, les passes décisives, c'est Zardes, Leggett et Jonathan Dos Santos. Faire attention parce qu'il y a les deux Dos Santos. Hein. Il y a Jonathan et il y a Giovanni. Les deux sont ailés maintenant. Giovanni, je crois que ça fait un petit moment et Jonathan l'a rejoint ou l'inverse, je sais plus. À chaque fois, je confonds les deux, de toute façon. Le joueur du LA Galaxy, Alex Hunter, me rejoint à l'instant. Alex, vos buts ont été décisifs aujourd'hui. Quel est votre sentiment après cette prestation particulièrement réussie? On va faire parler des supporters. Je suis vraiment content d'avoir fait ce cadeau à nos supporters, parce qu'ils sont exceptionnels. Ils ont été mis à l'épreuve cette saison. Mais ils nous ont pas lâchés pour autant. Donc ces buts, je les dédie à eux. Merci de nous avoir accordé du temps. You're welcome. You're welcome. Oh, pourquoi il m'a mis 9,7 là? J'avais 10. Il m'a écrit 9,7 en note. Pourquoi cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Donc on va voir s'il y a des petites cinématiques là dans cette fin d'épisode. On terminera sur les cinématiques. On va voir si ça met direct un entraînement ou ce genre de choses. Du coup, on est toujours quatrième, on est très bien. Au niveau de la personnalisation, tiens. Ah, tiens, notre maman, c'est vrai qu'on a, on a pas de nouvelles d'elle. Hein. Félicitations pour ton but, Alex. Ouais, on n'a pas de nouvelles de notre maman et de notre grand-père. C'est un peu triste. C'est un peu tristouné. T-shirt, du coup, j'ai un t-shirt rouge. Ouais, pantalon, j'ai un pantalon noir.
Ouais, noir délavé, il est bien. Du coup, mes cheveux, je vais récupérer mes cheveux. Hop, on enlève ça. Et coupe de cheveux. Tac, voilà. Elle est mieux, cette coupe. Elle est bien mieux. Et du coup, au niveau de la tenue, on a encore deux nouvelles paires de chaussures. On ne change pas les bonnes habitudes. Ok, c'est les mêmes. 16.1, 16 plus. Ouais, c'est juste le truc en plus. Ok. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, cinématique. On va la voir dans cet épisode. Oh, décision clé. Alors? J'ai été pris. Ils sont extrêmement impatients de travailler avec toi. Ils te veulent dans leur prochaine pub télé avec ton copain. Le tournage est la semaine prochaine. Je fais plutôt un bon agent, je trouve. Bien joué, papa. J'arrive pas à le croire. Je suis content pour toi, fiston. On veut toujours que ces enfants réussissent mieux que nous, tu sais. Écoute, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. C'est... Oh non, encore elle. T'en tournes pas. Puis c'est pas la fille qui était dans le vestiaire. Kim, qu'est-ce que tu fais là? Alors, tu lui as dit? Kim? Apparemment, c'était jamais le bon moment. Je rêvais de te rencontrer et j'y croyais pas quand papa m'a dit que t'allais t'installer dans le coin et... Papa? Quoi? Tu non, lui as pas dit? Attends, Alex... t'es en train de me dire que c'est ma sœur? Alex, j'attendais que tu sois installé pour t'en parler, fiston. Je voulais que tu te concentres sur le football. Dis-moi que c'est une blague. J'allais dire la même chose. T'es sérieux? Tu lui as encore rien dit? C'est trop d'un seul coup. J'ai la tête qui va exploser. Alex! J'ai besoin de réfléchir, ok? Moi, j'avais compris depuis longtemps que c'était ma sœur. Je l'avais très très bien compris, hein, je suis pas stupide. Mais on a l'impression qu'elle a quasiment notre âge. Donc, je me demande si... il n'est pas parti à cause d'elle ou un truc dans le genre. On verra bien la suite de l'histoire. Ne me racontez surtout pas. Oh, celles-là, elles sont belles. Elles sont très très belles. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. En revanche, il n'y a pas de truc pour sauvegarder, hein. On est d'accord. Il n'y a rien pour sauvegarder, hein. Paramètres. Ouais, parce que j'avais pas de sauvegarde l'autre coup, donc je me suis dit merde, j'avais oublié de sauvegarder, mais non, c'est juste que c'est normal. Ok, donc on va s'arrêter ici pour cet épisode, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes autres séries qui s'afficheront en fin de vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ma part en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao. もう二度と自分だけは離さないで